Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Far Cry 5, l'aventure américaine bien évidemment. Direction le bunker pour aller sauver quelques amis qui ont été malheureusement capturés. Mon dieu que cet épisode 12 était intense, il était assez incroyable. Direction donc l'épisode 13 parce que c'est pas terminé. Comme je vous le disais, on ne quitte pas tout de suite la région, il faut aller dans ce bunker. Vous avez la clé du bunker hein, qu'on a ramassé autour de son cou. Entrez, libérez l'officier Hudson et le reste des otages. Bah oui, parce qu'on les a pas encore vus depuis que on a mis à mal, bien évidemment, John Seed. Donc il est temps d'aller les libérer, de voir un petit peu ce que ça va donner. Et je pense que dans cet épisode, on va faire notre rentrée dans une nouvelle région et ça risque d'être très 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 important. On est parti parce que sur mon cœur il est pas à côté. J'ai envie de tenter quelque chose. Je sais pas si c'est quelque chose de bien par contre. Vous savez qu'à chaque fois dans ce Far Cry 5 que je prends un putain de raccourci, c'est pas bon signe du tout parce que ça finit souvent dans un lac. Mais là un lac en haut des montagnes, non je sais pas si c'est possible. J'ai vraiment envie de couper là hein. Mais je sais que c'est pas bon. Allez vas-y, on va prendre notre temps les gars, c'est pas grave. De toute façon, oh là là, regardez, regardez, heureusement, heureusement que je n'ai pas coupé, il y avait bien une rivière, il y a... Mais si, il y a bien un lac en plus. Ok, c'est toujours tout droit, c'est pas mal, c'est pas mal. On s'en rapproche, aucun souci de ce côté-là. Donc c'est le bon matin, hein, je pense, dans le jeu. Ou alors la soirée, mais je pense pas, il y a de la brume. Je pense que c'est le matin, je pense que c'est le matin. Je me demande si l'ours peut attaquer le véhicule. C'est plein de petits trucs comme ça que je me pose. Allez, raccourci! Ah bah parce qu'ici c'est l'Amérique les gars, vous le savez. Hop. Tout le monde s'en bat les couilles. Oh là 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 là. Ouais c'est bien le matin ça non? Ok on va faire gaffe. C'est d'ici qu'on s'était échappé, très bien. Regardez ce qu'on va faire. Je vais prendre le seul et unique frérot. Je parle évidemment de Boomer. On va le prendre direct. Hop, affecté, voilà. Désolé, tu peux partir, regardez hein. Il restait en l'air, hein, il était toujours à mes côtés. Tu peux partir frérot. On y va direction bunker. Et pour l'instant il n'y a personne. Et il y aura peut-être même personne jusqu'au bout. Eh les gars, toujours même 16 au cas où ça part un peu en couille. Ah oui d'accord. Allez hop, ça dégage. Allez Boomer. Hop, j'ai mis une petite patate, ça porte chance, on m'a dit. Allez, ça, ça a pris totalement. Qu'est-ce qu'on a là? Rien d'intéressant. On n'a rien nulle part d'intéressant. Très, très bien. Ah, quoique. Est-ce que... Non, 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 je veux le piller. C'est difficile à piller, en fait, sans ramasser une arme. Ok. Il doit avoir des loves, hein. Oh, 22$, je prends, les gars, hein. Eh, les gars, 22$, c'est un repas, hein. C'est un repas à Buffalo, les mecs, hein. Ok, on est parti, entrer dans le bunker. C'est quoi cette musique typée asiatique, les gars? Ah, d'accord. C'est pour me dire qu'il y a du monde, forcément. Ok, ça dégage. J'ai pas le temps pour vos conneries. Hein. Heureusement qu'il y a Boomer le frérot. Le sang de la veine du sang, le sang du sang, la veine de la veine. J'arrive, mes amis! Hudson! Où es-tu, le pouvoir du oui? J'arrive, Hudson! Hudson, remets-nous des glaçons. Hop, on va reload. Hein. Je reviens dans une demi-heure, les gars. C'est bon, c'est fait. Ok. Ça, c'est fait. Ok, attendez les gars, j'ai voulu faire mon malin. Vous savez ce qu'on dit qui fait le malin? Hop, ça dégage hein. Merci. J'ai pu le piller, ça c'est beau ça. Hop, ça dégage aussi. Une balle à mort. Ok, monsieur je peux vous piller s'il vous plaît? Voilà, c'est ça le problème hein, de Far Cry. C'est que si... Voilà, vu qu'il fait tomber son arme, c'est compliqué. Il est où le frérot en fait, ce Boomer? On y va hein. Hudson, je sais pas où t'es. T'es bien loin à mon avis. Acte de pitié, trouver l'officier Hudson. Les autres otages, on s'en bat les couilles. C'est pas important de le mettre, évidemment. Ce ne sont que des vies. C'est le Montana, les gars. Hein. Ici, dans le Montana, c'est différent. Hein. Si vous voyez l'officier, pas question.
Ok. C'est donc ça la vie que vous avez choisi, les gars. Je vais la garder. Oh. Ouais. Ça me fait pas peur. Ah bah non, mais avec une M60, les gars, c'est du John Rambo. Hein. On y va, c'est du découpage instantané. C'est gratuit, hein, ça mange pas de pain. Voilà. Ouais. Ça dégage. Coupé décalé, il a kiffé. Magji System et qui dit mieux. Bon les gars. Hop. Bah alors monsieur. Ça va pas du tout. Bonjour, bonjour, bonjour. Je viens vous sauver. Ok, c'est pas par ici. Ça c'est terrible. Ok. Oh bien joué. Il va me tuer. Oh bien joué à lui. Oh ce qui m'a... Oh là, les gars j'étais pas prêt. Le coup de crosse était terrible. Ok. C'est toujours pas pareil ici. Là on a rien. Enfin rien d'intéressant du moins. Ok, toujours rien. Là il faisait des trucs un peu chelous. Ok, qu'est-ce que c'est? Ah c'est dégueu. D'accord, ok, la salle de torture. Ah non, il était vraiment fou. Se sont mis à s'agiter. Toutes les portes se sont fermées et on était enfermés. J'ai bien cru que j'allais finir par crever là. Tout ça, c'est de sa faute. Lui, cet enfoiré. Il descendait ici et il restait là, sans bouger, et il regardait. On implorait sa pitié et il faisait rien, putain. Il regardait. Il y avait d'autres gens coincés ici avec moi. Faut qu'on les sorte de là. Et puis on réduira ce putain de bunker en cendres. Aide-moi. Ou dégage de mon chemin. Elle va me respecter un petit peu plus celle-là, hein. Ça va pas du tout ça, hein. Allez, faut qu'on atteigne la... Bah alors, comment tu me parles? Oh mais lui il a pris ce qu'il méritait sur 4 générations, hein. Pourtant c'est un membre de la secte. On est parti, on va les libérer, on les a croisés tout à l'heure. Je pense qu'ils vont être sur le chemin. Oh, il a un fusil à pompe. Sartek, elle va m'aider, je pense. Suivez l'officier, hein. Pour l'instant, c'est elle qui me suit. Je suppose que tu vas m'ouvrir cette porte. Oh, c'est pas mal, ça. Bien joué. Ouais. Ouais. Appuie sur la touche entrée. Dans ta vie, t'as libéré une ville. Ouais. Vas-y, ouais. Ouais. Tu n'écris rien, là. Hein. T'es en full mage. Vas-y. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh la vache. Arabesque. Vas-y. Allez, faut y aller, hein. Oh putain, j'ai cru que c'est... C'était terrible. J'ai cru que ça se faisait pas. Allez, ça dégage. Yo les gars, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut à tous, c'est David Lafarge. On va ouvrir des boosters, les gars. Par contre, une précision passera. Mais ça suffit, je m'en demande pas moins, si je peux me permettre. Allez, salut tout le monde. On vient, salut à tous, c'est Squeezie. On sort, les gars, s'il vous plaît. La station est reliée à une autre salle de contrôle. Je
Mettez des gemmes, mettez des gemmes. Attends, on n'oublie pas les gars du RT. On va prendre ça. Waouh! Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Attends, je suis sûr que. Une des plateformes du silo à missiles. Ok, je suis sûr que là où il y avait un truc. D'accéder à la salle de contrôle. Tu verras des consoles. Détruis-les. Merde, descendez. Ok. Je vais pas vous cacher que avec une M60, détruis les consoles, c'est le seul moyen. C'est beaucoup plus simple. Oh putain, je vais mourir. Oh le fils, il m'a cartouché sévère. Oh ce qu'il m'a collé. Là, j'avoue, on va pas faire les malins, il m'a collé la petite, hein. Comme on dit dans le milieu, on reload. Il m'a clairement mis ce que je méritais. Par contre, je vous avoue qu'avec la M60, c'est vraiment, vraiment trop simple. Après, oubliez pas que c'est la première région, hein. On se fera quand même au sniper ce qu'on a besoin de faire au snipe. Ok, c'est où? À l'intérieur de la zone de recherche, détruisez les consoles. Ok. Tire dessus, je vais sauter, mais dépêche-toi. Ok. J'arrive, hein. Ok. Hop dans ta gueule, hein. Ça c'est cadeau, ça mange pas de pain. Ok, putain. Heureusement, c'est pas si simple que ça, hein. J'ai eu chaud deux fois quand même, hein. J'ai un peu serré les fesses. J'ai peut-être pas marqué le cœur, mais quand même, on était presque. Ok, c'est parti, c'est par où là? Quelle est cette sombrerie? Ok. C'est par où les gars là? C'est par où là? J'ai cru que j'allais par ici à monter. Ces trucs ont plus servi depuis des années. Alors si jamais ça se bloque, tire sur les charnières. Ok. Merde, impossible de tout ouvrir à la fois. Oh, je vais devoir le faire section par section. Allez, dépêche-toi. Ça va jusqu'ici. Très original comme phase, on a jamais eu de phase pareille. Continue à grimper, une fois près du sommet. Escalader le silo. Ça va, ils auraient pu faire un truc encore plus sympa. Mettre un chrono. Hop, ça c'est dans la main. Ça c'est cadeau. Échec des systèmes. Quelle est cette... Oh, j'ai eu chaud. Ok, on réutilise un medikit. On va pas faire les malins les gars. On va reload. Ah, c'était par ici que je m'étais échappé, je crois. Très bien. Ok, c'est par où maintenant? Ça s'explose, ça s'explose. Ça s'explose. Très bien. Ah, mais c'est à moi de tout faire. Ah, mais les gars, je vais être. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'entends des bruits bizarres là. Ah, c'est la drogue qui se répand. Ok. Ok. Non, 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 non. Waouh. Il est prison. Hop, ça dégage. Oh non, mais elle me laisse tout faire. Franchement, elle aurait pu m'aider un petit peu plus quand même. Ok, elle a vécu l'enfer et moi j'ai vécu quoi, putain? La loi, c'est moi! Non! Je voulais pas utiliser le mythique! Tout ceci n'est qu'une sombrerie! Oh, mais que c'est chaud! Oh non, mais en fait, heureusement, il y avait la quête pour la M. Je pense que la quête a été faite pour offrir la M60. C'est beaucoup trop compliqué, vraiment. Vous imaginez pas le bordel. Je faisais le malin au début. Heureusement qu'il y a fin d'us, comme on dit dans le milieu. Ok, vas-y. Frérot, je m'en occupe. Ça se fait. Stop, 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 stop! Quoi? Quoi? Survivez. Ok. Ok. Je survis. Tu ne passeras pas, officier. Tu mourras. Oh, yes. Avec nous. Oh, ça ne sert à rien. Aïe! Il essaie de s'enfuir. Surveillez le silo. Ok. On se laissera payer. Oh, bordel. Ça va, hein, ça va, c'est pas très long. Je pense que je mérite ou pas, les gars? Juste au-dessus. À
Okay, on s'accroche au train d'atterrissage. Allez, go! Oh! Y'a un mec dans le truc qui a un trésor! Je veux tirer! Région libérée. Merci. Putain, je crois que j'ai jamais vu un truc pareil. On a vraiment bien fait de te sauver. Hey. Vous nous avez rendu ce qu'on pensait jamais revoir un jour. L'espoir. Quoi qu'il arrive maintenant, on vous suit. Hey. C'était du sacré boulot, vraiment. Pour moi, après ça, c'est toi qui donnes les ordres. Si jamais t'as besoin de quelque chose, t'as qu'à me demander. Un seau a été ouvert. Mon frère John était peu aimé. Craint par beaucoup. Il était incompris de tous. Hormis de moi. John n'a pas toujours été ainsi. Ce n'était qu'un enfant quand notre famille s'est déchirée. Il était tendre, doux, plein de joie. Mais c'était une proie facile. John n'était pas parfait. Il lui arrivait de commettre des erreurs. Mais c'était mon frère. Et ceux qui sont responsables de sa mort seront tous punis. Ça, je vous le promets. Sauvez l'officier Hudson, c'est fait! Les gens de Holland Valley vont enfin pouvoir souffler. C'est un vrai modèle pour nous tous. Mais le comté n'est pas encore libéré des Cides. Il reste Jacob et Face. T'es loin d'avoir fini. Terminé. Non mais attends les gars, j'ai fait un tiers. Eh ça va, je suis pas le sauveur de la terre, putain, c'est terrible. Eh les Américains, jamais contents, c'est incroyable. Donc les amis, on va s'occuper un petit peu de quelque chose de très intéressant. Je parle évidemment du talent. Déjà, une quatrième arme, ça me semble indispensable. Ça coûte 9. J'ai économisé pour, comme ça on va pouvoir se permettre un petit peu plus de trucs. Pourquoi pas un fusil à pompe, un sniper. Bon. Donc on va le prendre. Ça, c'est fait. On a toutes les armes. Il nous reste 8 points, c'est énorme. Grace, débloque un emplacement supplémentaire dans votre escouade. Afin que vous puissiez jouer avec 2 mercenaires en mode solo. Oh, c'est pas mal ça en vrai, hein. Vous en pensez quoi? Comme ça, je peux avoir Boomer en bas et Nick en haut. Ça me paraît pas mal. S'ils ont fait tout ça, vous voyez, on pensait que certaines choses allaient être faciles. Et finalement, c'était pas aussi simple que ça. On va regarder la carte par la même occasion et on va voir un petit peu ce qu'on a à faire. Bon, bah ça, c'est fait, hein, région de John. Donc maintenant, je choisis ma région ou non. Oh lui, il a une gueule. On va aller à un avion. Et puis on va se décider. On va aller à un avion et on va se décider ensemble. Allez, on est parti. Des pyromanes locaux se seraient dressés contre la secte. Je crois qu'ils campent près de l'épave de bus. C'est pas très loin d'ici. Bon, je vous cache pas que j'ai envie de tenter quelque chose. C'est rajouter un filtre professionnel. Vous allez voir, ça va changer les couleurs, mais
Si vous trouviez le jeu un petit peu fade, dites-moi ce que vous en pensez pour la fin de cette vidéo, hein, histoire que je brûle pas votre rétine non plus, si vous n'aimez pas. À partir de maintenant donc, j'applique le filtre et là vous verrez le jeu avec des couleurs dignes d'un film totalement américain. Et ça on adore, donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez, ça m'intéresserait d'avoir votre avis et savoir si pourquoi pas pour les prochains épisodes on adopte cette couleur. En tout cas je trouve que ça rend tout ce qui est lumière plus vif, c'est très très beau. Franchement j'adore ce filtre, donc voilà, je voulais vous le partager. Et si jamais vous n'aimez pas, pourquoi pas essayer un nouveau filtre à la fin de l'épisode prochain, faire des petits essais comme ça, mais en tout cas je trouve ça pas mal du tout. Alors on va bombarder le Yes, on m'a dit qu'il y avait quelque chose si on arrachait ça. Nick et l'officier, quand vous aurez l'occasion, vous pourriez passer à la maison, s'il vous plaît. C'est pas urgent ni rien, hein. Pour le moment. Livraison spéciale, mission principale. Allez voir Kim, attendez. Ok, c'est une mission principale. Allez voir Kim. Ok, je débloque un t-shirt. Allez, sur le point d'accoucher. Ok, bon, on va détruire le panneau Yes. On m'a dit que ça faisait quelque chose, on va voir. Quoi? Non! Quelle erreur! Quelle erreur du joueur français! Non, mon avion! Viens m'aider, Nick! Oh, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai! Allez, on est donc reparti dans les airs. Ouais, j'ai fail, c'est terrible, les amis. J'avais le doigt juste à côté. Et j'ai appuyé sur E au lieu de vouloir descendre l'avion. Et donc, je suis descendu, mais de l'avion. Alors, les gars, faut pas que je fail le. Ok. Pas question. Attends, mission principale. Tu viens de démolir le panneau géant de John? Merde alors. Autant tout foutre par terre pendant que tu y es. Ben ça manquera à personne. Et ben voilà, c'est pas mal ça. Attendez. Redresse. C'est une terrible histoire. Ok, c'est pas mal du tout. On va faire demi-tour. D'accord, il y a bien une mission. Très bien. Repère le plein. Oh non, 1000 dollars les gars, non. On va le refaire évidemment, mais c'est chiant quand même. C'est chiant. Et là, ça me paraît pas mal. On est adéquat total avec nous-mêmes. Ah oui, faut carrément. D'accord, faut carrément tout péter. Ok, très bien. On va faire encore demi-tour. Ah ouais, c'est terrible. Ah! J'ai plus aucune maîtrise. Ok, bougez pas. C'est bon, j'ai payé. Ok, j'ai payé, c'est bon, on est pas mal. C'est la mission chiante quand même. Ok, c'est pas mal. Allez, on a détruit le S, maintenant ça fait yé. C'est pas mal ça. Non, attends, j'ai déjà payé, les gars. Pour faire le plein de munitions. Abusez pas. Ça me coûtait combien, les gars, cette connerie-là? Bon, allez. Non! Mais merde! D'accord. J'ai déjà payé deux pleins sans m'en rendre compte. Et ça, c'est terrible. Soit 2000 putains de dollars. Donc, il y a intérêt que j'ai un retour sur investissement, les mecs. Sinon, attention! Allez, on y va. Oh, c'est pas vrai! Merde! Il m'en reste plus que deux. Allez, boum! Ça, c'est fait! Détruisez le panneau! Voilà messieurs, je suis très heureux d'avoir réussi cette mission qui était clairement, n'ayons pas peur du terme, un enfer bien évidemment. On va aider notre ami
hein, accoucher, je dois accoucher sa femme, je dois tout faire. Allez voir Kim. On va terminer quand même l'émission de cette région, hein. On va pas changer de région tout de suite. On va se garder les autres psychopathes pour un suspense dans les prochains épisodes. Mais quoi qu'il en soit, il nous a fallu voilà, à peu près 11 épisodes pour terminer totalement une région. Bah les gars, ça va, moi ça me fait plaisir. Ça fait plaisir si tu vois ce que je veux dire. On est parti, on y va. Regardez comme c'est beau. Profitez-en pour me dire si je retire ou non, bien évidemment, ce filtre. Et on y va. Normalement, selon toute logique, c'est dans la maison que ça se passe. Oh là là, Nick, il a une bonne voiture. Hein. Petite Mustang là qu'on apprécie. Évidemment, c'est pas les marques officielles. J'arrive. Oh, je l'entends déjà crier. Oh putain, il est où, Nick ? Oh putain ! Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe, Kim ? Mais merde, t'étais où ? Oh, donne-moi ta main. Notre fille a décidé de sortir maintenant. Non, Nick Junior doit pas naître avant une semaine. Aïe, aïe, Kim, bousille la main, là. Là, tu serres trop fort. On doit monter dans la voiture. Allez. Oh la vache, mais quelle force. Ok. C'est bien. Allez, officier, au volant. Allez. Oh mon Dieu. Ouvre la porte, vite. Oh, merde. Oh, allez. Voilà. C'est. Oh mon Dieu. Oh, vite. Ah, ma main. Ok. Alors, on va aller voir. À gauche en sortant. D'accord, donc tu m'emmènes nous là, ça me fait peur. Voilà de la bonne musique. Ok. D'accord, donc je dois suivre très bien. L'officier sait conduire. Roulez, merde. Kazé m'a montré comment bien respirer quand on est stressé. Ah, aïe, Kim, ma main. Ok, au lieu de me mettre directement un point, ils font par checkpoint. Très bien, on verra où ça va m'emmener. C'est quoi tout ça là? Attends, on est d'accord qu'un mec vient totalement d'exploser à cause de... NON ! Allez ! J'y vais, je bombarde. Ah putain, j'ai qu'une minute ! Oh putain, damn ! On va jouer un petit jeu pour passer le temps. Ça te dit ? Pas vraiment, là. Allez ! Ah non, d'accord, ça augmente mon compteur à chaque fois. Ok, avant-poste. Ah, il y a un avant-poste ici. Regardez bien, ça c'est pour le spectacle. Hop, alors, ça vous a plu? C'est bon, le bébé a accouché les gars, dans de parfaites circonstances. Merci à tous. Cet accouchement était très rude. Bon, c'était pour le spectacle, j'ai totalement chié. Allez, on est reparti. Oh, c'est terrible. Hop, ça en confectionne très rapidement. Non, je la refais, hein. Je m'en bats les couilles, hein. Ça va passer, vous inquiétez pas. Génial, ma chérie. Ok, on y est presque, là ça va être les cochons. On a l'avant-poste juste après aussi. Ah non, c'est déjà l'avant-poste, très bien. C'est maintenant. On la refait, les gars. Allez, ça c'est cadeau, ainsi l'autre fait. Ok, c'est bon. De toute façon, ici il faut toujours rester sur la route. Hein. Vous avez vu, dès que j'ai fait du hors-piste, c'était terrible. Ok, yo les gars. Ah, je pense que clairement... Oh, j'ai tué un civil. Bon, il était en train de brûler, hein, j'abrégeais ses souffrances. Quoi qu'il arrive, en soi, je pense qu'on va changer de région. C'est bien ce que je pensais, cette mission est une transition pour la région suivante. Ok, on esquive. J'en suis quasi persuadé. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que regardez, là, on traverse toute la région et on voit plein de situations assez burlesques. Hop, et ça c'est pour... Non, mais n'importe quoi. Les gars, elle est à deux doigts d'accoucher, il y a des tremplins au milieu de route. Totalement fou, les gens. Je crois que c'est la pleine lune, c'est pour ça. Qu'est-ce qui rate? C'est quoi? Prenez à gauche au pont, ensuite, on se est d'accord, tout droit. Il y a des vaches. Ok. C'est quoi ça? C'est un avion de Kim. Quoi? Mais c'est n'importe quoi! C'est flammes! Oh. On va passer! Accélérez, officier! Merde. On a réussi! Ah non, c'est juste ici! On a réussi! Non, ça continue! Kim, je pense que ça va nous emmener! Oh. Non, je vais pas bien, non!
Comment ok, partenaire, c'est juste un peu plus loin. Il y a un raccourci par les bois. Ok, est-ce que j'avais raison, est-ce que j'avais tort? Réponse, mais vous, non, mais les gars, parfois vous êtes... C'est... J'adore le Montana, putain, j'adore. C'est ça que j'aime, bordel de merde. Ok, c'est par ici. Oh là, attention, doucement, minute papillon. Ok, on passe par la forêt. Attention, un cerf. Merde, j'avais oublié les cerfs. Non, c'est rien, c'est rien. Ah, t'en fais pas. C'est de l'allemand. Solide, ce camion. Voilà, c'est du solide. Et ben voilà. Putain de camion. On en était où alors? Ah, juste à côté par contre de la région de Face. Très bien. On y est. Rangez-vous, c'est là. Allez, c'est bon, on descend. Salut. Hey. Vous voulez voir votre filleule? Elle est tellement belle. Bah, j'ai bien l'impression que je vais quand même devoir changer le nom de mon affaire, hein. On vous le dit sûrement pas assez, mais merci pour tout ce que vous avez fait. Si vous avez besoin de quelque chose, on sera toujours là. Allez, on va rentrer. Et bien voilà, c'est terminé, livraison spéciale, finie, et ça fait 700$ plus 400$ en bonus région libérée. Plus un costume, 1000$, c'est pas mal pour ce que m'a coûté le plein tout à l'heure. Ça y est, c'est terminé. Donc là, je crois que j'ai le choix. Écoutez, vous savez quoi, par précaution, j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous préfériez. Est-ce qu'on fait la région nord, donc région de Jacob? Vous savez quoi, il y a... Votez en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce qu'on fait la région de Jacob ou est-ce qu'on fait la région de Face avec seulement... Ah non, il y a bien 3 élites dans la région de Face aussi. Ok, donc région de Jacob ou région de Face, c'est vous qui choisissez le psychopathe que vous voulez. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. A très bientôt pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde, ciao ciao.